Et plop les gens, de retour sur The Settlers 2. Du coup j'en profite pour vous dire bonne année 2021 à tous. Vu que, au moins c'est une vidéo enregistrée en 2021 et qui apparaît très rapidement, c'est la plus proche de ça. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez bien. Et que vous garderez la santé si vous l'avez, ou que vous serez en bonne santé dans ces périodes relativement difficiles. Bref, on se lance tout de suite. Mission 5 sur 11. Non, 10. Ouais, 10. Lorsque les colons comprennent que les Nubiens sont également à la recherche de leurs femmes, ils se précipitent pour aider le dernier pharaon à lutter contre un peuple mystérieux. Le dernier pharaon. De l'autre côté du portail, un homme nous attendait avec une demande d'aide de la part de Pharaon. Il nous décrivit la situation. Tanotamon, le dernier pharaon noir des Nubiens, était assiégé. La route menant jusqu'à lui était bloquée par les Asiatiques, qui tentaient ainsi d'empêcher tout secours de parvenir jusqu'au souverain. L'immense amoncellement de gravats qui remplissait presque entièrement le ravin était assez parlant. Il eût fallu un temps infini pour déblayer la route, même avec l'aide des meilleurs spécialistes. Voici donc notre mission. Bonjour. Le dernier pharaon. Ok, ça m'a refait un retour Windows. Apparemment la barre en bas était par-dessus le jeu, en tout cas pour le jeu. Donc ça doit être un allié, et ça la sortie, non, c'est quoi? Atteindre le portail, on s'en fiche de eux. Ok. Comment on fait déjà? Oui, on affiche ça. On trouve un endroit où planter. Il n'y a pas beaucoup de bois. Ah oui! On va faire trop proche. On va le faire là, cabane de bûcheron. On va faire ici une carrière. Ici, plutôt sur la gauche. La Syrie. Voilà, donc on a un peu de tout. Et le but apparemment c'est de faire le tour, non pas comme indiquent les flèches. Où c'est que je l'ai vu? Je l'avais vu par là. Il a dû disparaître. En passant par là-haut, je suppose. En tout cas, on va au moins aller explorer là-haut. J'aurais bien dit par curiosité, mais c'est plus ou moins aussi, surtout par nécessité. Alors ici, on va mettre un chasseur, il est où là? Oh, moche qu'en route. Détruire le drapeau. Je veux un drapeau ici, je vais vouloir un drapeau là, et pourquoi pas au milieu, et là aussi pourquoi pas au milieu. Voilà. Non mais un chasseur trop proche d'ici, ça va pas le faire. Il y a deux gibiers. Alors oui, je teste quelque chose aussi, normalement, je fais un petit alt-tab,
Normalement, le stream est en 720p et non pas 1080, au mieux. Et l'enregistrement sera en 1080p quand même. Et hop là, mais avec un petit peu plus de bitrate, donc théoriquement une qualité un peu meilleure qu'avant. Je vais essayer ça aujourd'hui, voir si ça a l'air de fonctionner, si au moins, là je viens de vérifier du coup le stream est bien en 720p, mais si au moins l'enregistrement est en 1080, je pense que je pourrais continuer comme ça pour garder une bonne qualité pour le une bonne qualité pour les enregistrements, mais malgré tout avoir un stream qui est regardable par le plus grand nombre, vu que Twitch par défaut est un peu aléatoire sur le fait d'autoriser ou pas des slots de transcoding pour que les plus petites co puissent quand même regarder. Il donne cette possibilité aux gros streamers qui de toute façon auront, quoi qu'il arrive, plein de gens, mais pas aux petits streamers ou aux micro streamers qui ont besoin de cette fonctionnalité pour justement que n'importe qui puisse regarder, quoi. C'est un peu bizarre, mais bon. Enfin, niveau marketing, niveau tout, je comprends, mais niveau logique, pour faire monter le plus de monde et pour que le plus de monde puisse leur apporter des sous au long terme, c'est un peu plus bizarre. Bref, cabane de bûcheron terminée, carrière terminée, la scierie, il lui manque deux cailloux. Et lui qui va faire ses allers-retours avec ses cailloux, c'est trop bien. Mais bon. Ça arrive. Je mettrai une cabane de chasseur un peu plus ici. Est-ce qu'on peut accélérer un petit peu? Oui. On peut faire quoi? 2, 3, ok. Je suis pas un grand fan d'accélérer en général, mais je m'y mets petit à petit. Alors les deux casernes au debout sont faites, maintenant il y a besoin des soldats qui y aillent, que les soldats y aillent. Et je l'avais pas vu monter lui. Là ce serait bien par ici peut-être de mettre une... Voilà c'est parfait. Cabane de civiculteur, voilà. Alors, militaire occupé, scierie terminée, occuper cette caserne. Ici, on a dit qu'on mettrait une cabane de chasseurs. Et on a laissé tendre vers le haut, sinon... Est-ce qu'ici, on peut mettre une cabane de pêcheurs ou il y a trop de forêt? Oui, il y a trop de forêt. On devrait pouvoir par contre. Non. Est-ce que c'est là? Non, on peut ni l'un ni l'autre. Donc on espère que le bûcheron coupera juste de quoi faire le passage là et puis après le civiculteur il peut replanter comme il veut. Je n'en aurai pas de... Je l'autorise. La minima n'a pas disparu. Ils font déjà d'élevage de porcs, maison de garde. Bon, maison de garde, oui, mais élevage de porcs. Ils ont du blé là d'avance, ils ont une ferme.
scierie, cabane de bûcheron, mais ils ont pas de ferme. Brasserie, abattoir, qui font des choses un peu dans le désordre. Ici j'ai de l'or, donc or beaucoup logiquement. Ici on va préparer une mine d'or. On réaccélère un petit peu. Ça, on va stopper la production du siliculteur. Production arrêtée, oui. Donc, un des siliculteurs fini, sauvegarde auto, ok. La cabane de chasseur est finie. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à mettre dans le centre-ville aussi? Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre en fait. Là, les ressources de base et... Et le reste, je le mettais proche parce que je m'étendais pas beaucoup, mais... Mais c'était pas nécessaire. Caserne terminée. Allez, petit soldat, cours! Cours! Alors là, on va mettre... deux casernes. Presque en mettre 3. Non, pas cette route là, je l'aime pas trop comme ça. On va mettre ici une ferme. Ici une deuxième ferme. Comme ça que je voyais les choses. Je me demande s'il faut vraiment miner tout ça, autant avoir plein de carrières. Caserne occupée, oui, ça on avait vu. Cabane de pêcheur terminée. Caserne terminée. Du charbon juste en dessous. Caserne occupée. Alors ici... On va viser ici notre prochaine caserne. Voilà. On va en viser une ici. Non, on va attendre que celle-ci soit occupée. Ça arrive dans 2 secondes. Alors à droite. Non. Non, à gauche plutôt parce que
pas, les chemins, les bâtiments se mettent plus facilement par-dessus. Alors, carrière terminée, caserne terminée. Ici, on peut mettre un bûcheron. On va essayer de couper cette zone d'arbres ici. Sauvegarde auto, bâtiment militaire occupé la caserne. Et la troisième carrière est terminée. Donc ici, on avait dit ça, et on a dit que toi, tu as le droit de replanter. Oh, ici il y a du rouge. Ok, alors on change. On change. Parce que le civiculteur n'a pas de... Ce chemin ne sera jamais utilisé sinon. Alors que celui-ci, il y aura un petit peu de pêche qui va bloquer. J'ai cru que c'était un poisson qui avait pu planter dans la terre. Donc on a une ferme de terminée, on a cette caserne de terminée et qui vient d'être occupée. On peut remettre une caserne là, peut-être même pas. Cette caserne-ci est terminée, celle-ci bientôt. La mine d'or est finie, ah non, la caserne du haut, la mine d'or. La cabane de bûcheron ici. Terminée. La caserne tout en haut à droite. Alors celle-ci va plus gérer là. Avec celle-ci. Ouh, on peut pas aller très loin ici. Je pense qu'il va falloir mettre un bûcheron si on veut redescendre un peu. Pour, mais bon, il y a lui qui est déjà assez proche. Militaire occupé. Ah, on va pouvoir mettre des bateaux ici. Des bateaux. Alors, un port à gauche ou à droite? On va le mettre à gauche. Port. Qui dit port dit qu'il faudrait une scierie. J'allais mettre un entrepôt, mais en fait le port fait office d'entrepôt. Qui dit port dit aussi chantier naval. Je sais plus, bah il est là. Sauvegarde auto. Tour de garde terminé. Et tour de garde occupé. C'est un élevage d'ânes ici. Donc ce qu'on va faire, c'est des grands travaux de vous ne passerez pas. On peut aussi mettre une carrière par ici. Non, c'était là la carrière. Alors, caserne terminée ici, cabane de bûcheron, cette caserne est occupée, du coup on peut en mettre une autre ici, normalement, ouais, ça passe directement dessous.
Et on peut mettre un bûcheron là. Genre ici, on mettra un civiculteur. Alors, caserne finie. Et occupée. Alors ici, on pourrait récupérer de la pierre, mais je sais pas si c'est hyper utile. Ça en fera dans le port. On va le faire du coup. Voilà, on va attendre que celle-ci soit faite avant de continuer là-haut. Caserne construite et remplie dans quelques secondes. Voilà, on a même du mal à atteindre cette zone. Carrière terminée ici, pourrait aussi essayer d'éradiquer ce petit truc là pour que le chemin puisse passer là. De la même manière, on peut mettre un bûcheron normalement. Ouais. Détruire, oui. Voilà, c'est mieux, c'est plus joli. Est-ce que si j'en place un là, je peux en replacer un là? Cette route là, elle est pas indispensable, donc on n'a pas besoin de mettre des drapeaux tout le long. Oui, bah oui, effectivement, ici c'est un chemin un peu long. Un chemin un peu long. Il s'arrête là, c'est là le milieu. Ok, ici aussi. Là-haut. Ok, donc là, du port jusqu'à mon bâtiment principal, il y a plein de petits segments, ce qui m'avait l'air d'être beaucoup mieux. Ici, on peut mettre, par exemple, une cabane de civiculteur et une cabane de chasseur, avec ici une cabane de pêcheur. On va faire ça et on peut mettre une autre cabane de pêcheur ici, une troisième là je dirais. Là, très bien. Et toi, où est-ce que tu vas te relier? Non. Pas mieux. Ouais. Et du coup, j'ai loupé 50 000 notifs. Bâtiment militaire occupé, la caserne. Oui, si, ça je l'avais. Sauvegarde auto, cabane de bûcheron. Ici, oui. Donc je vois qu'il y a aussi, bien sûr que non, non, détruire, oui, détruire, là, cabane de pêcheur ici, parfait, caserne, bah c'est exactement là où on voit, du coup une autre caserne ici, ça passe par en bas, ça va le faire. Là, on peut mettre un chasseur et un civiculteur, plus qu'un bûcheron ici, ça ira bien. Cabane de bûcheron, est-ce que... Oui, maintenant ça fonctionne. Oula, carrière tout au nord, elle a l'air de fonctionner vu qu'elle est à plus de 50%. Caserne occupée, ouais, c'est pas celle-là déjà. Château. Château occupé, du coup on leur a pris un petit peu de territoire, qui vont essayer de nous reprendre avec leur maison de garde.
Syrie, près du port. Le port terminé, le chantier naval. Le chantier naval, non, les bateaux, on n'en a jamais eu besoin. C'est les navires qu'on a besoin. Alors ensuite, cabane de civiculteur ici, oui. Non, alors toi tu t'en vas, tu gênes un petit peu la vue. Cabane de chasseur à côté, oui. Cabane de pêcheur, sauvegarde auto, cabane de pêcheur, cabane de pêcheur. Très bien. Bon, on est bien. On est bien. On a rattrapé notre retard. Ici, on va peut-être faire les ânes. Et je crois que les ânes... Mince. Je crois que les ânes ont besoin d'eau. L'eau des puits, les céréales des fermes, ouais. Donc on va mettre un puits juste à côté. Il faudrait un entrepôt dans le secteur. On va le mettre là, même s'il est à moitié, à mi-distance entre le port et le... on pourrait même le mettre juste ici. Il est à mi-distance entre le port et la base. J'ai mis une brasserie, non. Détruire, oui. Ici. Clic. Entrepôt. Et là, la route, elle va là. Cabane de pêcheur, oui. Territoire perdu, je l'avais prévu. Cabane de civiculteur, oui. Cabane de chasseur juste à côté. Et caserne encore à côté. Avec ici, on peut mettre un drapeau là. On peut mettre un là. Et on peut en mettre un ici. Parce que si on continue en longeant... Territoire perdu. Ah, on se rapproche de eux de l'autre côté. Du coup, on fait un château. Oula. Drapeau. Alors, bâtiment militaire occupé comme caserne, oui. Bâtiment, le puits, oui. Sauvegarde auto. Oh, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus concentrés. Mais ils ont 70 cabanes de bûcherons et de civiculteurs collés aussi. Ah, eux aussi, ils ont du rouge à affronter. Le port, on peut demander de préparer une expédition. C'est là qu'il faudra réduire un petit peu la vitesse, peut-être. L'élevage d'ânes est terminé. Oula. Ici tout est bloqué. Alors on va faire ça avec un drapeau là. D'ailleurs, ces carrières commencent à être loin. Oh ouais, ils ont bien miné. Alors, un navire est terminé. L'entrepôt est fait. Ici, on a quelques pierres, pas encore de planches. Le bateau est à côté.
On n'a pas de planche. On a des bûches, la scierie est là. On n'a pas de planche, je suppose qu'en fait on n'a pas beaucoup de planches au global. Et puis on en a beaucoup. On a 54 bûches, là à l'instant T. Va falloir voir si le chiffre augmente ou diminue. Le château se finit devant nos yeux. Sous nos yeux. Quoi ? Oh la poisse ! La maison de garde ici était suffisante pour prendre du territoire. Territoire perdu, on l'a vu. Sauvegarde auto. Une caserne terminée à l'autre bout du monde, tout au nord, ok. Est-ce qu'elle peut grandir elle? Oui. Quand même assez tenté d'agrandir ces deux casernes là. Vu qu'apparemment on est proche des ennemis. Alors niveau âne, on a 0 âne d'avance, d'accord. Quelques soldats, ah oui, il faut qu'on fasse des soldats et tout. Cette caserne est occupée. Ici, oui, c'est vrai qu'on est en train de... On est en train de faire un bon chemin par là-bas. Cabane de sylviculteur, ok. J'ai fait déjà 2 navires. Un navire ne peut rien faire tout seul pour le moment tant que j'ai pas 2 ports pour... Voilà. Allez le port. Charge tout dans l'Aurora ou dans le Bellona. Voilà, l'Aurora est prêt. Oh, j'avais jamais fait gaffe. Il y a une... Oh, il est bien plus rempli. J'ai perdu ma souris. Au secours, j'ai perdu ma souris. Il est bien plus rempli le bateau et... Enfin il est chargé et il y a une... Comment ça s'appelle? Un poste pour voir au loin. Alors par contre, il va m'en falloir au moins un deuxième. Est-ce qu'on va à droite ou à gauche? Sachant qu'ici c'est déjà encerclé donc on pourra pas essayer de rush. Autant aller... Ouais. Par contre, est-ce qu'un double alt-tab ça me fait retrouver ma souris?
Oui, parfait. Château terminé. Espérons qu'il ait un soldat avant que son territoire se fasse manger encore une fois. Ici, on peut emmener un géologue pour voir ce qui se passe. D'ailleurs, ici aussi, on aurait pu le faire. Je crois qu'on pourrait en emmener deux parce que sinon, ils vont. Sinon, il va faire que à droite ou que en haut. On peut emmener un géologue ici pour ça. Ici, je crois que c'était du charbon. Ah, il n'y a plus le minimap. Ouais, c'est pas ouf. Allez, prends un sandwich, mais... On sait plus, nous. Expulser que autre chose. Charbon découvert par le géologue. Après, c'est leur port, donc. Parce que je pense pas qu'il y en avait d'autres avant. Donc ça peut être aussi. On les empêche d'avoir un port. Mais s'ils nous attaquent et qu'on peut pas le défendre. Donc ici, c'est une autre île. Là, il y a bien du charbon juste à côté. Maison de garde. Oui. Ah, le château est occupé. Cabane de chasseur, fonderie. C'est vrai que j'ai rien fait. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de mines. Hop là, c'était la notification. Charbon découvert, oui. Il était sous l'arbre le premier panneau. Charbon. Si c'est hyper important le charbon, mais je saurais pas trop quoi en faire sans faire. Or et or. Ah ouais, très bien. Ça m'intéresse tellement pas trop que je vais créer les mines d'or, mais c'est tout. Caserne. Ici aussi, il y a de l'or, punaise. Je vais les noter plus pour montrer... m'en souvenir quoi. Maison de garde. Oula, oula. Caserne. L'Aurora ici. Ici c'est pas mal aussi. Ah, et ici t'as trois choix. Ici c'est de l'or. Et ici on a quoi? Ici il y a du charbon aussi, ça c'est un peu plus intéressant. On va relier. Le château est terminé et devrait reprendre un petit peu de terrain, même si c'est peut-être pas du terrain très utile. Cette
carrière a l'air finie ou pas loin. Ici, on veut pour mettre un moule, une boulangerie. Et le moulin, j'hésite entre le mettre là, là, ou plus loin. Dans tous les cas, il va me falloir un puits. Mettre là le moulin. Château occupé, on a repris 2-3 cases. On a perdu du territoire, où ça... Ah. Pour se venger. L'Aurora en attente d'ordre, oui. Bon, et puis au pire, mets-toi là. Un moment ou un autre, je t'aurais mis ici. Alors... Ce qu'il faut, c'est une caserne ici. C'est possible de... Non, c'est pas possible. Donc je disais, ce qu'il faut, c'est une caserne ici. Et c'est chiant que la souris se TP. Un énorme défaut, mais c'est quand même l'un des plus gros défauts du jeu. Que la souris se téléporte sans raison valable. Voilà, ici, le jour où tout ça s'est fait, on est bien. Ici, c'est quoi cette caserne ? Occupée, d'accord. Est-ce qu'ici, on peut en mettre une autre ? On peut en mettre une autre. Ouais, relié en bas. Cette caserne est occupée, donc on peut aller ici. On peut faire une petite carrière là, non pas parce qu'on a besoin de la pierre, mais parce qu'on a besoin de la pierre. On peut rien faire ici. Chantier naval, tu es gentil, mais tu vas arrêter de produire. Parce que oui, c'est vrai, toi aussi, tu bouffes toutes les planches. Mine de charbon finie, oui. Parce que là, il y a un bûcheron, là, il y a la scierie, et pourtant... Pourtant, ça n'a pas l'air de produire suffisamment. On va...
faire un élevage de porc avec juste à côté l'abattoir. Il est où? Là. Il me semble qu'il y a besoin d'un puits. S'il n'est pas hyper bien placé, le puits. C'est pas vraiment l'essentiel. Ici. Il y a de l'or, il y a de l'or. Charbon découvert ici, c'est du charbon aussi. Voilà. T'en es à où? 77%. Alors, est-ce qu'on a des ânes en stock? Oui, on a 20, une vingtaine d'ânes en stock. Du coup, on peut arrêter ça. J'espérais ici pouvoir mettre une ferme de plus quelque part là, mais apparemment, si je mets l'élevage de porc, il n'y a plus la place. En mettre une ici, avec un bûcheron là. Mais je vais rajouter des bûcherons alors que j'ai des planches de rab. C'est donc pas les bûcherons qui manquent, mais les scieries. Le nombre de bûches a augmenté. Sauvegarde auto. Si aussi on a des... Ah mais ici on n'a jamais regardé ce que c'était. J'admets, mes carrières montent. Cette carrière, elle doit plus être. Ouais. Celle-ci, elle doit plus être occupée. Alors, port fait. Ok. Carrière. Oui, aucune ressource découverte. C'est ce que j'avais vu. Aucune ressource découverte pour cette mine d'or. Donc, on va détruire la structure, oui. Si le géologue nous dit qu'il y a autre chose, mais je ne pense pas. Justement de faire découvert, bah voilà. On l'attendait, on l'a. Bâtiment terminé carrière, bâtiment terminé caserne. Bâtiment terminé puits. Et non pas là. Il va nous falloir un peu plus d'espace. À moins qu'on se mette ici. La boulangerie est terminée, mais ni la ferme ni le moulin. Si au moins le moulin avait été terminé, j'aurais pu avoir un petit peu de... En premier, il aurait pu d'abord faire quand même de la farine. La ferme est terminée juste ici. Je vais pas relier ça.
222 pierres. Tout mon stock est dans le QG. Et il n'y en a pas qu'un peu. Toi aussi, t'as l'air d'être fini. Ici, il y a une mine d'or. Tiens, d'ailleurs, mine d'or, on en a zéro maintenant. Donc il serait temps d'en relier quand même une à la route. Oui, c'était quoi? Je sais qu'il y en avait à l'intérieur, ouais, celle-ci par exemple. Gisement de fer découvert. Ah, du fer. Ensuite, carrière. Oui. Aucune ressource découverte. Détruire la structure. Oui. Bâtiment terminé, la ferme. Seule planche, la série est terminée ici, la mine de fer ici est terminée, sauvegarde tout territoire perdu. Ah. Ils sont en train de construire une caserne pour que je perde encore plus de territoire dans le coin. On va se faire une cabane de civiculteurs. On va essayer de voir si avec un mur de civiculteur ça nous attaque jamais. Aucune ressource découverte, la carrière, oui j'ai cru voir du charbon. Hop là on détruit. Ah, le moulin aurait pu être ici hein, du coup. Ou inversement. Alors c'est l'heure de dire ici évacuer, mes soldats. Oui, évacuer ici, il y en a quand même beaucoup trop. Alors, ça peut s'évacuer, ça aussi. Garde, on va les garder, mais celui-là, on va évacuer. Celui-ci est déjà évacué. Voilà, je pense qu'on a évacué la plupart. Peut-être pas tous. Alors, l'abattoir est terminé. On a perdu du territoire, ok. Cabane de bûcheron. Mine de charbon. Moulin. Mine de charbon, territoire perdu. On n'était déjà pas de points dans ces celui-ci.
Militaire occupé, du coup on peut avancer nos carrières. Là on en a détruit pas mal. Élevage de porc. La maison de garde est ici. Alors, navire en attente d'ordre. Ah bah voilà. Pour toi, tu vas aller à gauche. Qu'on pouvait même pas aller ailleurs en fait. Puis. Ah ouais, leurs puits sont classe. La maison de garde est occupée, du coup on les a fait reculer. Dans l'idée, on s'en fiche d'aller à droite, c'est vraiment au sud qu'on veut aller, rejoindre nos potes, et on ne pourra jamais, quoi qu'il arrive, d'accord. Très bien, Aurora en attente d'ordre, ça m'intrigue. Mine de charbon, oui, mine de fer, ouais. Aurora en attente d'ordre, d'accord. Donc en fait, il y a deux plages ici et là. Ici, au moins, il y a des bois. Il y a du bois. Ah, on est attaqué à la maison de garde. C'est pour ça que j'ai gardé les soldats ici. Pour pouvoir défendre cet endroit-là. Sauvegarde auto, bâtiment terminé, mine d'or. Oui. Je voulais faire, oui, je voulais faire un autre port à la limite, on s'en fiche. De là où on en est, on peut préparer une expédition de plus. Ferme créée, eh ben, elle en aura mis du temps celle-ci. Bûcheron. On va mettre un civiculteur là. Et un chasseur ici. D'ailleurs, ce chasseur, on peut le détruire apparemment. Alors, terminer carrière, terminer cabane de bûcheron. Donc ici, ça pourra faire normalement un approvisionnement en planches pour le port. Si, il préfère faire comme ça. Militaire occupé, oui. On va emmener un géologue, mais normalement il va me dire que c'est tout du charbon. Tour de garde. Ici aussi, on peut emmener un géologue pour qu'il nous dise que c'est du charbon. Syrie, parfait. Une autre caserne. Où est-ce que je me fais attaquer? Ici. Dans l'idée, ce que j'aimerais bien, c'est ne pas m'occuper trop de la droite. Et par contre, celui de gauche, m'en occuper. Ici, on n'avait pas dit. Ouais, je pense qu'on avait dit, mais qui. Mais que ça a disparu. Pourquoi tu dors, toi? Euh...
On va pouvoir faire une catapulte aussi. On va essayer de pas trop les attaquer, ou juste de les bombarder. Alors Bellona en attente d'ordre. J'ai l'impression qu'il y a qu'un endroit où tu peux aller. Caserne qui est construite. Tour de garde. Occupé. On est attaqué au château. Ils y croient à mort. Le géologue a trouvé du charbon. On a fait ce port-ci. Charbon découvert ici aussi. Oui, c'était bien ça. Bellona, vite. Fais-toi un port. Et voilà, lui, il ne pourra pas attaquer la même île que moi. Parce que j'appelle ça une attaque. Il faudra envoyer un géologue ici. Ici on peut faire une scierie parce que quoi qu'il arrive à un moment je ferai des arbres où ça sera relié et il y aura besoin d'une scierie pas loin. Cabane de civiculteur, on est où? On est en plein milieu là-haut. Oui, c'est plutôt bien. Ok, bâtiment militaire perdu. Ouh, ça c'est pas bien du tout. On va attaquer territoire perdu, bah du coup forcément. Cabane du bûcheron, oui, et cabane de chasseur, très bien. Alors ici, j'ai combien de soldats? J'ai 0 soldats d'avance. Ce qui n'est pas foufou. Alors ici, c'était une... fonderie. Suivie d'une... forge. Et potentiellement... une ferronnerie. On peut qu'annuler. On peut pas faire de drapeau comme on veut du coup. Sauvegarde auto, caserne terminée, parfait. Ici y a pas besoin de grand monde. Cabane de bûcheron. Très bien. Voilà. On a même eu un peu d'espace ici. On pourrait se permettre de faire une autre cabane de pêcheurs. Allez petits soldats, rentre dans cette caserne-ci. Et ici on n'a pas réussi à prendre, dommage. Catapulte. Caserne nord, oui. Ici elle est occupée, mais j'aimerais bien quand même garder un soldat pour pouvoir étendre tout le terrain. Est-ce que je garde un soldat ou est-ce que je lui dis non c'est bon tu peux rentrer sur le bâtiment principal, sur l'île principale si tu veux. Ouais, il vaut mieux en garder un. Hein.
Il vaut mieux. Alors, on va arrêter d'évacuer les soldats d'ici, même peut-être agrandir ça. Le port est fini. Parfait. Du coup, j'ai pas trop regardé. Charbon, j'en ai plein d'avance. Fer aussi et or aussi. Le fer, j'en ai un petit peu. J'ai fait nulle part de. Frappe de pièces de monnaie. Ah oui, si j'avais une ferme. Ouais. Du coup, c'est les fermes de plus loin qui vont devoir venir jusqu'ici, ce qui est beaucoup moins optimisé que ce que j'aurais voulu. Oh, alors j'en mets une là. Catapulte terminée au nord, d'ailleurs celle du sud là, est-ce qu'elle a attaqué un peu? Bon, elle a pas l'air d'attaquer ici. Si. Que fait-elle? Elle attaque des gens invincibles. Cabane de pêcheurs, oui. Caserne terminée, du coup on peut évacuer, comme ça il va aller là-haut. La fonderie, voilà. Ouh, cabane de pêche sans ouvrier, ok. Alors, bâtiment militaire occupé, caserne ici. Mais on peut évacuer. C'est cette caserne-là qui est attaquée. Non mais en fait, ici, il faut que les gens vous reveniez. Ben ça a l'air d'être un game over ça par contre. Territoire perdu, ouais. Forge, ok. Caserne, oui, sur l'île. Du coup dès que lui il a fini. Forge n'a pas d'ouvrier. Parce que là, vous voyez, j'ai un petit souci, s'il vous plaît. Mon QG n'est plus relié à nulle part. Et j'ai un îlot ici qui est... Enfin, j'ai deux îlots au final. Et eux ne sont pas trop reliés. J'ai quand même beaucoup de mal avec les soldats dans ce jeu. C'est fini. Caserne est finie. Lui va s'amuser, il a plein de casernes à visiter.
Non, mais non, j'aurais dû faire une brasserie, des... Ah, la brasserie, je l'ai oubliée d'ailleurs. Bon, bah, je pense que je peux recommencer. Excusez-moi. Bon. On va s'arrêter là. Et je sais pas vraiment si je vais recommencer. Je pense que là, cette partie, il faut la recommencer. On peut pas la gagner, c'est trop tard. J'aurais dû faire la frappe de pièce il y a très longtemps. J'avais jamais fait gaffe à l'animation. Du coup... Je sais pas si je recommence la mission, si j'arrête totalement le jeu parce que ça a pas l'air d'être très suivi et ça commence à être un petit peu répétitif et les parties moins bien du gameplay commencent à prendre le dessus quoi, ça sent que c'est un vieux jeu. La gestion de l'armée entre autres, j'ai du mal. Après, il y a plein de choses qui sont bien. Je pense pas du tout avoir perdu mon temps à jouer à ce jeu. C'est juste que... Malgré que ce soit une réédition anniversaire, que ce soit... enfin, et ça reste un vieux jeu, qui a des vieilles mécaniques. Réussi à me prendre mon château. Donc ça se sent un peu quoi. Et il y a plein d'autres jeux qui sont plus ou moins aussi bien, qui sont plus récents on va dire, qui pourraient peut-être m'occuper autant de temps et un peu mieux mon temps et le temps sur la chaîne. Donc voilà, pour le moment je ne sais pas trop si je continue. Sans réponse de votre part, je pense que je vais arrêter là la série. J'espère que, en tout cas, ça vous aura plu de regarder jusqu'ici, si vous avez regardé jusqu'ici. Si ça vous plaît de continuer à regarder, bah dites-le moi, manifestez-vous, puisque du coup je pourrais continuer à le faire, hein. C'est pas le souci au global. Bon, ben voilà, sur ce, bonne soirée et à la prochaine.